Je peux vous chanter une chanson. 10 chansons. On laisse à nos souvenirs nos idées réfractaires. On laisse à l'avenir nos rêves trop ordinaires. Et l'on passe une vie entière à chercher ses repères. Nos vertus réfractaires, on fuit vers l'éphémère. Et l'on accuse le jour de s'enfuir sans retour. Ce qu'il reste d'hier, un sanglot réfractaire. Et l'on tombe à genoux, on se perd malgré tout. On voudrait tout refaire, s'en aller réfractaire. L'on voit s'éteindre d'un soupir ces amours qui nous blessent, et l'on sent en nous grandir une force sans faiblesse. On sent en nous grandir une force qui un jour nous délaisse. Bah, merci beaucoup pour votre précieuse écoute et à bientôt. Pardon, on a encore une petite. Oui. C'est un grand chemin de nulle part que les hommes empruntent par manque de savoir. Un lieu perdu au milieu des regards, un monde caché qu'on ne veut plus revoir. Économie de larmes sur le mur des années et insomnie de drames dans les draps du passé. Comme un homme naissant. Faire
traverse. Dans de si grands tunnels, toujours en fuite, à ne jamais se voir comme ils seront, à ne jamais s'aimer pour ce qu'ils sont. Et cet homme au sexe transi n'entendra que le silence de son cri. Il regrettera l'instant de son premier amour. Il n'échappera pas au temps, deviendra sourd. Et les cœurs éventrés au seuil de la souffrance cesseront alors de battre à la démence, et les cœurs éventrés par le deuil de l'enfance, et les cœurs éventrés. Et l'homme a perdu sa mémoire, 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 et l'homme agonise sans des nouvelles, Céline, à donner de concerts que tu fais ? Non ? Bon. Alors maintenant, aussi, encore une belle surprise. David Rougerie. Poète, humoriste, enfin, multi-talent. On n'entend pas bien le son ici, là. Voilà. Je te donne le micro comme tu veux. Hein. Tu veux en main ou tu veux promener ? Tu veux... Hein ? Bienvenue à tes doutes, à tout ce que tu redoutes, bienvenue à toutes tes joies. Tu sais, quand ton soleil rejoint ce zénith que tu atteins, quand tes yeux s'y crispent matin, bienvenue à tous tes ennuis qui t'éveillent en pleine nuit. Le noir, plus qu'on ne le pense, médite à ce point qu'il pense toute blessure profonde. L'espérance aussi s'y fonde. Bienvenue donc, belle flamme, qui détourne chaque lame de celle-là qui incise de manière assez précise cette existence épatante que chacun sur terre tente. Bienvenue donc à tes doutes, à tout ce que tu redoutes. Bienvenue à tous tes ennuis qui t'éveillent en pleine nuit tant que vive cette flamme qui retire chaque lame si jamais elles ont pénétré. Tu n'en seras pas empêtré. Empêtré ? Empêtré, oui. Eh bien, dis donc, il y a des liaisons dangereuses. Un exemple. Mes drames, mes deux voyelles et mes cieux, si bleus mes cieux, avec des nuages couleur schtroumpf. Il est médicalement très prouvé que l'on ne peut vraiment plus me sauver.
Je ne vais pas mourir, mais siphonner me diagnostique et je vous raisonner voici comment tout cela débuta. Je travaillais bien, gagnais mon rata, chef était content, comptait mon quota. J'étais amoureux, j'en devins bêta, elle ne m'aimait pas, ce fut la cata. Elle prit un jour une scie, m'amputa de 7 orteils, d'un bras, de 4 doigts, de la main restante. Mais alors je dois vous signaler comment mon cher patron, surpris, me dit « Et pourquoi pas le tronc ?» Mon physique tout neuf l'interloqué. Quand je lui racontais, pauvre toqué, à mon innocence humble étant domptée, qu'à ma démission il fallait opter. Moralité, lancé à corps perdu, c'est le cas de le dire. Plutôt qu'à corps défendant, moi, d'indu, je trouve cet amour déplorable. Ouf. Je conserve pour l'admirable futur le membre indispensable sans lequel l'amour ne serait pensable. Le cœur. Bande de petits pornographes. Bien que la médecine agrafe, le greffe, veux-je dire, de nos jours. Pourquoi ce petit œil lubrique toujours? C'est dingue, c'est dingue. Hein. C'est vraiment très dingue. Merci. Si on peut nourrir, s'il vous plaît, faire un plat pour Philippe Canebotin qui nous a Pierre fini toute la soirée. Je suis fatigué. Pierre-Henri Canebotin qui nous a vraiment filmé toute la soirée parce qu'on lui a dit au bar que c'était pas possible. Donc Philippe Éché, est-ce qu'il est par là? Merci de lui servir un petit plat parce qu'il va nous régaler d'images que vous pourrez revoir de tout le spectacle, de toute la soirée. Il faut le remercier aussi. Donc Philippe, tu entends un petit plat pour Pierre-Henri Canebotin. Merci, excusez-moi de ce petit dérangement. Le temps d'installer d'ailleurs un piano. Qui est-ce qui intervient maintenant? C'est Matteo. Matteo, tu t'installes à quoi avec la guitare? Après, je prendrai peut-être le piano. Tu veux que vous rangez le piano là? Non. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Parce que peut-être je prendrai le piano tout à l'heure. Parce que finalement, vous m'avez pas vraiment entendu. Encore. Je m'occupe des autres, mais voilà, à un moment donné, ça fait du bien aussi peut-être se lâcher. Donc, maintenant, c'est. Matteo. Ça y est, notre camarade a pu avoir quelque chose à manger. Est-ce que le message est passé d'abord? Est-ce qu'ils n'entendent pas au bar? Il faut que je crois que je me déplace. Prochaine fois, on mettra des haut-parleurs derrière aussi. Ça, c'était la seule chose qui manquait ce soir, c'était des haut-parleurs derrière le bar pour que les gens qui sont au fond entendent le son. Le son et le sens de cette soirée. Hein? Non, non, parce que... Moi, j'ai remarqué, vous êtes baladé entre au-delà du bar, on n'entend pas, même avec le micro, on n'entend pas. Il manque des haut-parleurs de l'autre côté. Mais bon, c'est un début, le matériel s'installe petit à petit, on constate ce qui manque en le faisant, quoi. C'est comme ça. Oui, je sais que tu as envie de dire un texte. Si je peux t'accompagner au piano, ben on verra tout à l'heure, pourquoi pas. Pour la dernière fois, on l'a fait, mais je me rappelle plus ce que j'ai fait, mais c'est un peu. Ben, bon. Saute. On fait une petite balance d'abord. Elle est déjà faite, la balance, c'est formidable. Eric, pardon, Eric,
Irène, si tu veux bien. Viens avec moi. Nickel. Bon, c'est la plus longue intro du monde, hein. Mais si ce soir tout le monde se calme, tout le monde est calé, vous êtes bien? Merci. Même les tyrans ont besoin d'amour. Je le sais pertinemment. Même si ils ne diront toujours, je le sais, mes amis. Car celle qui m'aime, oui, on a tous besoin d'amour. Qui ne plaisent pas toujours. C'est du pareil au même. Je le sais pertinemment. Moi aussi je veux qu'on m'aime. C'est la logique de l'amour. Fais-moi la logique. Je suis pour. On a tous besoin d'amour, besoin d'amour. On a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'amour. Ça savoure une autre fois. J'y vais.
désolé, on va s'arrêter là. Mais on peut répéter encore une fois qu'on a tous fait besoin d'amour. Besoin d'amour, bébé, 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 bébé. Avec nous, t'es sûr, t'es chaud. Et vous ? Laisse-moi tranquille. Merci. Allez, on sort. Comment ? Non, mais je vais te voir. Viens, viens, viens. J'ai une grande première. Grande première.
Il y a 4 ans. J'ai le plaisir d'avoir fait un fils autrefois, là, et ça fait maintenant 27 ans. Ouais. Il est là, peut-être que. Chante-nous, moi j'aime bien le. Vas-y, fais ça. J'ai un micro, je suis très content. Je vais pouvoir chanter tout seul. Bravo. Personne va m'emmerder. C'est très cool. Mais la guitare, c'est déjà fort. Thank you.
peu plus ligné, un petit peu plus encore, un peu plus encore, je m'éclate, ça y est, warm on the mouth. C'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Tous les deuxièmes parties du mois. Tous les deuxièmes parties du mois.
j'ai rencontré il y a 4 ans chez Bernard Lubat. Va te faire foutre avec ton Roland, toi, je suis de ton côté, tu vas voir. J'ai rencontré une dame il y a 4 ans au festival, enfin au festival, si je dis ça, elle va me taper. Du Zest Musical, qui est un festival de résistance. Voilà, on s'est rencontrés et on s'est dit, tiens, on va pouvoir faire des conneries ensemble. Et je suis très content. Et depuis, on se quitte plus, voilà. Voilà, je suis très content qu'elle ait invité plein d'artistes et plein d'artistes que je connaissais pas. Et puis, bah voilà, sa fonction, elle, indépendamment d'être chanteuse, et d'être compositeur, et d'être capable de ramener Monsieur Baron sur scène, c'est aussi de fabriquer un petit peu de rêve. Allons boire un coup. Je perds les mots, c'est pas aller boire un coup, c'est... Non, mais c'est vrai, C'est très très difficile, maintenant, je dis tu, aux gens qui sont en face, je les connais pas, ils sont peut-être plus âgés que moi, je m'en fous. Je remercie vraiment Valina d'avoir essayé de faire ce truc et que ça ait fonctionné, quoi. Et j'espère que ça va fonctionner. Et voilà, c'est le début, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Tu veux prendre le merci, micro, Valina. Pierre, voilà. Je salue à Vanina, une femme de rêve. Merci. Et moi je salue aussi voilà, Pierre-Henri qui nous a filmé toute la soirée. On pourra récupérer comme ça, vous pourrez vous revoir en direct. Voilà, et Jérôme aussi qui a enregistré en sa petite console. Enfin tout ça, voilà, c'est pour essayer de que nos rêves deviennent des réalités. Et merci d'en parler autour de vous parce que l'aventure, ce n'est qu'un début, continue. Vous savez qu'aujourd'hui, le faire savoir compte plus que le savoir-faire, hélas, vous avez vu la qualité et le niveau qu'il y avait ce soir. Et bien, ça va être comme ça tous les 12e mardis du mois, avec voilà, des surprises étonnantes. Donc, ben voilà, la scène ouverte continue. Hein. Et grâce à toi. Merci, et grâce à la péniche, la Balobon. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Ils m'ont contacté. C'est une nouvelle équipe qui a repris la Balobon. Et ils m'ont connu quand je travaillais comme directrice artistique aux éditions Salabert. Moi, ça remonte il y a plus de 10 ans, 15 ans. Salabert, j'aime bien, c'est un rôle que je connais bien. J'ai travaillé avec un grand monsieur qui s'appelle Jacques Canetti aussi, qui était découvreur de talents, hein, de Brel, de Brassens, de tous les grands. Donc je connais ce métier côté coulisses et donc j'étais très honoré quand on a fait appel à mes services pour organiser une scène découverte. Et voilà, j'essaye de partager mes connaissances, mon expérience et moi je suis une curieuse de la vie des autres et j'aime le partager. Donc merci pour ces moments de partage grâce à la péniche, la balle au bon. Merci à toute l'équipe, Lucien, Steph, voilà, qui vous ont fait vraiment, sachez que c'est tout un travail d'organiser ça, le son. Voilà, merci, on a été vraiment merveilleusement bien entourés. Je vous aime. Bravo Vanina. Merci. Je pense qu'on va maintenant peut-être arrêter, voilà, faire un, hein, pour que tout le monde puisse... Au son, Serge Babkin. Voilà, Serge qui nous a vraiment, grâce à lui aussi, voilà, vous êtes bien entendu, et le public vous a bien entendu. Merci Serge. Sachez qu'on est tous là, tous bénévoles, à faire un travail pour que nos rêves deviennent réalité. Donc parlez-en autour de vous. Non problème.